Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Hop, je pense que j'ai bien fait d'utiliser, d'avoir rechargé mon gun. Donc, objectif multiple, dont objectif principal, là-bas. C'est donc là qu'on va, on y va. Alors on va faire très attention parce qu'apparemment les ennemis sont au taquet maintenant. Du coup je pense pas qu'il soit question de... de faire des conneries. Si je puis me permettre. Voilà, donc là j'ai une pétoche. Là j'en ai pas. C'est logique. J'ai trouvé ton bureau, Morgan. Cool. Je ne suis pas venu ici depuis... On a couché ensemble 36 fois, oui. Connasse. Januari, c'est le poste de travail de Morgan. Et un fabricateur. Morgan, viens ici quand tu en auras l'occasion. Oh. Ah, il va se faire tripoter lui. Eh oui, c'est l'eau de toutes les machines. Finir par se faire démonter. Ok, c'est quoi ça? Bonjour. Bonjour. Bonjour mon ami. Ah, est-ce que ça serait pas plus efficace? Qu'est-ce qui est efficace contre eux? Ok. Pourquoi pas. Ah d'accord. J'aurais pensé que ça continuerait un peu plus longtemps, vous savez, et que ça les grillerait en fait au moment où ils sortiraient. Autant pour moi. Mais finalement ça les fait juste exploser. Tout bêtement. J'admets être un poil déçu. Hop, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. On va bien voir ce qu'il y a derrière cette porte. Est-ce que ça a changé en fait d'être. D'avoir redémarré, arrêté et redémarré le réacteur? Je suis curieux. On va commencer par passer par notre bureau, je pense. On aura le droit à une scène de ménage, à mon avis, quand je vais lui annoncer que je. Ouh. C'est toujours aussi joli. Arboretum. Ah oui, c'est son bureau qu'on va aller voir en haut. De l'extérieur, vous avez réparé les ascenseurs. Merci. Maintenant, je peux me déplacer librement. Ok, je vais me faire rec par des bestioles que je ne peux pas voir à cause du putain de... Venez les mecs, je vous attends, moi y'a pas de soucis. Ok, je t'ai vu. J'ai loupé. D'accord, en fait ils sont juste là. Bon bah, pour m'emmerder hein. Hop, voilà. Allez, fais péter. On y va. Ah mais dis donc, je suis déjà venu. Putain, c'est un tisseur. D'accord. Je viens de comprendre. Alors attends. Choc psychique, voilà. Voilà, je sors ça. Et tu bouffes. Quand on a une faiblesse, on fait en sorte de pas la montrer à tout le monde. Fantôme photovoltaïque. Bon bah tant pis, je rentre dans le truc. Yo. Cool. Je ne vais pas pouvoir te rejoindre. Ouais, ça je m'en doute. Il n'y a pas de piège. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité, comme promis. Il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur, une autre vidéo. Regarde-la, on parlera ensuite.
Je mot de passe. Le mot de passe. D'accord. Enfin, si tu n'as pas de... Je suis pas un feignant, moi, monsieur. X. Hop, C. Oh, ça touche à peine. T'es sérieux, là, bonhomme? Hop, C. Hop, et C. Voilà, on a réussi. J'ai piraté le système. Moi, Utilitaire. Morgan, épisode 101. Étendre la passerelle. Ah oui, bah c'est là où on était allé en fait en trichant. Enfin pas en trichant, en disant tous les mouvements quoi, tous les trucs possibles et imaginables. What? Honnêtement, le fait qu'ils viennent me surprend. C'est pas ça que je voulais faire. Et le fait... T'es pas en train de me dire que ça a bloqué tout le truc. T'es pas en train de me dire que ça a bloqué tout le jeu. T'es pas en train de me dire que ça a bloqué tout le jeu. Mais non, j'ai déjà déverrouillé. Merde, mais il est déverrouillé. Putain, mais je venais de le déverrouiller. Oh, t'es sérieux, bonhomme? Bon, là, ceux-là, je me les ai tous pris. Oh, putain. Cette perte de temps. Ah, la vache. F, voilà. Là, j'ai réussi. Ok, ça a redémarré. Prévenir les gens de ce qui se passe sur Talos One. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Il est verrouillé. J'ai fait une copie de la clé et je l'ai cachée en haut de la tour de données près de la chaise. Tu sais de laquelle je parle. Écoute, cette fois-ci c'est plus important que nous, que cette station. Si une seule de ces créatures parvenait à revenir, ce serait la fin. D'accord. Je fais toujours ce rêve. Je suis dans l'espace. Je scrute l'obscurité. Il y a quelque chose. Je le sens. Je ne peux pas le voir. Lui. Lui me voit. D'accord. Je le sens. Il nous déteste. Il nous déteste. D'accord. Tu sais de quoi je parle. Ou tu le sauras. Bientôt. Le cauchemar. Passez la vidéo sur l'écran principal. Mon frère, où es-tu? C'est long. Je m'appelle Morgan Yu. Nous sommes en 2035. Je suis sur la station de recherche Talos One. Mm-hmm. Quoi d'autre? Pourquoi faisons-nous cette vidéo? Ah oui, parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux neuromodes. Peu importe. Je me suis jamais senti aussi bien. Je veux dire... Regarde un peu. On a réussi, Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure, parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais. Et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon. Les organismes Typhoon semblent produire une structure élaborée, un matériau inconnu, un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale, mais externe. On attend les analyses pour confirmer. D'accord, donc ce que tissent les tisseurs, ce serait une structure neuronale. J'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer, en cas de fuite du sujet. Alex doit juste s'armer de courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tout faire sauter? Ça nous sauvera pas. Et si ça marche? Ça vaudra le coup? Les gens qui nous succéderont seront plus forts, plus doués, immortels.
Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. Oh, le cas de conscience. C'est bon. Je suis prêt. Donc je peux les réduire à néant. Apparemment. Avant de tout faire péter. Eh bien voilà. Tout ce que j'ai fait, c'était toi qui me l'avais demandé. Donc c'est pas un méchant. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. D'accord. À cause des tests, tu as changé. Pas beaucoup au début. Mais à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. D'accord. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. D'accord. C'est le seul moyen d'arrêter les typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Mmh. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. D'accord. Ouais, ça me semble logique. Je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser. C'est honnête. Mais tu l'auras. C'est honnête. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. D'accord, ok, une quête FedEx. Je peux refabriquer des neuromodes. Putain, ça c'est la vie. Si je peux refabriquer des neuromodes, c'est la vie. Avant ça, neuromodes, on en a combien? 8. 8 neuromodes à utiliser, c'est absolument génial. Je veux en utiliser 6 ici. Pourquoi 6 ici? Il faut que je puisse améliorer. Tiens, d'ailleurs, j'ai un truc en trop. Ce truc. R. Améliorer. J'ai un manipulateur d'armes, il faut plus de puissance, clairement. Il faut que ça aille beaucoup plus vite quand je vais. Quand je vais faire ça. Ok, cool. Il avait laissé une puce. Là. Qui n'était pas là il y a 10 secondes. Voilà. Détecteur de corail. Ah, putain, faut que j'améliore ça aussi. Avec un neuromode, je peux peut-être l'améliorer. Réserve de psy. Oh la vache. Ça me coûte la peau du cul. Ça. Je vais l'équiper ensuite. Ils m'ont délogé. Ils m'ont délogé de mon piédestal. La vache. J'ai oublié d'appuyer sur espace. Cette vidéo est. Je la confronte encore à mes directives. Mais si scanner le corail vous permet d'accéder à la clé d'armement d'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera okay. Peut-être votre décision de détruire Talos One. Soyez prudent. Il nous reste peu de temps. Là, ça a l'air d'aller. Jusque là, ça a l'air d'aller. Tant qu'il ne me retrouve pas, ça peut le faire. Même si c'est pas la bonne direction, hein, je le sais. Ça, par contre, c'est inquiétant. Toujours pas refaire de neuromode. Merde, j'y ai cru. Bon, on repart alors. Merde, j'y ai cru. Par contre, je peux peut-être refaire des trucs de santé. J'en ai plus que 4. Je vais en refaire. Bon, on apprend des choses en tout cas dans cet épisode. C'est bon à savoir que on peut faire autre chose que tout faire sauter. Ça, après, moi, je vais pouvoir aller analyser. J'aurai tourné 4 vidéos aujourd'hui, entre ce matin et ce début d'après-midi. Et je vais pouvoir aller faire un live. Ce mercredi après-midi, parce que j'ai pas tourné en fait lundi ni mardi,
Mardi parce que j'ai eu des occupations IRL. Et lundi parce que je faisais la nouvelle bannière qui est d'ailleurs pas finie parce que j'ai dû la refaire en entier pratiquement au dernier moment. Donc voilà. On est à 10. Qui est en train de péter une durite. Je vais être repéré dans très peu de temps. Je l'ai vu l'éclair, j'ai pas percuté. Je l'ai vu l'éclair et j'ai pas percuté, c'est fou hein. C'est fou, c'est fou. Perrier, c'est fou. Oh là là, ça va plus. Quoi? Bon, de toute façon, après, ça vaut peut-être pas le coup que je retourne. Je suis obligé de mettre la puce. Je suis obligé de mettre la puce si je veux savoir où aller apparemment. Inventaire, puce de psychose. Puce de psychoscope, pardon. Papier de transformation. Ça peut être. Ça c'est. Oui, c'était d'ailleurs pas utile en fait finalement. Voilà. Et détecteur de corail, merci. Et ça c'est. Ça c'est cool. Ça c'est carrément cool. À l'extérieur de la station, faut donc que je ressorte. C'est bon. Pas passé loin celui-là. Hein. On y va. On scanne le corail. Normalement, une fois qu'on aura scanné le corail, on pourra créer l'appareil nous permettant de détruire toute forme d'entité. Microgravité détectée. Ouais, alors ça. Attention, fond d'une maison endommagée. Ça, c'est vraiment pute. On y reviendra, mais ça, c'est vraiment pute. Soyons clairs. C'est absolument pute. J'espère juste qu'en fait, vous voyez, je suis en train de descendre. J'espère juste qu'il m'affichera pas que ça s'en était à scanner. Hop, allons-y. C'est le prix qui m'a vu. Pour votre frère, cette version de vous est le véritable Morgan. Et pourquoi? Simplement parce qu'il était là avant vous. Si quelqu'un vous avait fabriqué, alors je suppose que votre véritable nature serait celle qui remplit le mieux les fonctions que votre créateur a programmées. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais... Morgan, quelqu'un vous a-t-il fabriqué? Bah oui, mon père et ma mère. À vos convictions. Conviction. Ce sera à vous de décider, Morgan. Qui êtes-vous? Ça a toujours été à moi de décider de toute façon. Je suis le chef. Je suis le capitaine de mon navire. Mais il y a eu un lancement depuis la plateforme Argus. Le conseil d'administration a confirmé la situation aussi. J'imagine que ça devait arriver malgré mes efforts.
C'est pourquoi nous devons agir rapidement et efficacement. Ils vont tout faire pour reprendre les choses en main. De deux. Voilà, je me disais, il y avait eu un son indiquant une présence. Merde, et je suis coincé dans le... Putain. La vache, je vais encore me faire rect. Je suis effrayé. Aïe, mais putain, mais cassez-vous, bande de nazes! C'est votre patron qui m'intéresse. Oh la vache, moi je vais me faire rect. Je vais me faire rect pour une raison que j'ignore. Et je sais même pas si je dois comprendre. Ah bon? Propulsion endommagée, d'accord, ok. Alors, je me fais rect en fait parce que dans cette zone il y a plein d'ennemis que je ne vois pas. Et je ne sais pas en fait si je dois continuer dans cette direction. Vu que ce sont des suicides, donc je vais mourir. Puisque ces machins font pop des dizaines et des dizaines d'ennemis sans qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Ah bon? D'accord, génial. Deux fois. Et je me retape le déplacement. Mais pourquoi? Simplement parce qu'il était là avant vous. Si quelqu'un vous avait fabriqué, alors je suppose que votre véritable nature serait celle qui remplit le mieux les fonctions que votre créateur a programmées. Je sais qui m'a fabriqué, et dans quel but. Morgan, quelqu'un vous a-t-il fabriqué? Remplissez-vous de fonctions. Si vous n'en avez pas... Je pense qu'il faut que j'aille dans les deux... dans le truc. Donc on y est. C'est la région à mon avis où justement je suis mort juste avant. C'est-à-dire l'intérieur du truc, il y avait juste simplement plusieurs entrées. Je ne voudrais pas t'alarmer, mais il y a eu un lancement de plateforme Argus. Le conseil d'administration a eu vent de la situation ici. M'a vu ou pas? J'aimerais tellement qu'il sorte. Je crois que je l'ai eu. Je crois que j'ai eu le deuxième. Putain, si c'est le cas, c'est la fête. On y va. D'accord, donc il y a une entité qui me parle. Cherche terminé.
chose. Mm-hmm. Morgan, retourne à mon bureau. Il faut qu'on transfère tes données immédiatement. Fais vite. Il y a un truc devant moi, là. Hop. J'arrive à ressortir de là. Et que je retrouve l'endroit. Putain. Je sais plus où je suis. Je dirais que c'est par là, la distance semble correspondre. Je pense que c'est là, hein, la distance et la forme semblent plus ou moins correspondre. Rapport item, c'est bon, c'est là. Hop, c'est là, on y est. Apparemment, je suis atteint de la maladie des radiations, donc on va essayer de corriger ça. Et c'est corrigé, ok, cool. Par contre, si tu me fais réapparaître des saloperies devant mon spawn, ça va pas me faire plaisir. Soyons clairs. Des bestioles comme ça au spawn, c'est juste complètement pute. Parce que même si je leur tire dessus, en fait, elles m'explosent au nez. Donc c'est vraiment débile. Connectome des plus grands athlètes. Oh, d'accord. Des connectomes. Je sais pas ce que c'est. Les connectomes. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe ou si c'est... Attention, quand je dis qu'il existe, c'est pas... de fabrication de l'émetteur d'onde zéro aussi vite que possible. Et fais attention, les typhoons vont commencer à flairer notre intention d'endommager le corail. Ils vont essayer de t'en empêcher. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau. Intéressant ça. Leurre à typhoon, ok. Neuromode x3, ok. Plan de fabrication de médicaments anti-rad, d'accord. C'est juste ça? T'es sérieux, bonhomme, là? Chargez les données. Bonsoir, Talos. Un mot de notre chef de la sécurité, madame... Morgan, pour protéger le transfert a été interrompu. Quelque chose. Quelqu'un. Si vous ne portez pas de... Ici le commandant Walter Dahl. Le conseil d'administration de Transtar m'a autorisé à prendre, dès à présent, le commandement intégral de Talos One. Tous les employés doivent se rendre à la zone d'accès aux navettes pour évacuation. Que ceux qui ne peuvent pas obtempérer envoient un SOS. Mes opérateurs vous localiseront. Une dernière chose. Alex et Morgan Yu ont été relevés de leurs fonctions, n'acceptaient pas leurs requêtes et ne leur fournissaient aucune assistance. Dahl terminé. D'accord. Sympa le bonhomme. Quoi ? Opérateur militaire ? Et vas-y. L'accès est bloqué. C'est Dahl. Il va mourir Dahl, hein, par contre, hein. Alors, immunité, d'accord, ok. Je dois dire que je suis déçu. Par nos parents. Je savais qu'ils avaient un peu d'urgence, mais j'étais assez naïf pour croire qu'ils ne l'utiliseraient pas contre leurs propres enfants. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas récupérer les données de corail tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. Je n'aime pas trop ça, mais tu vas devoir pénétrer dans sa navette. Essaie de trouver voilà. Son point d'accès et coupe-lui la route. La vraie question, c'est est-ce que les opérateurs militaires vont s'attaquer aux... aux autres ennemis. Il est blindé, hein. Il est absolument blindé, hein. Chaque membre du personnel de Transtar porte un bracelet de localisation.
Mm-hmm. Je doute que ces opérateurs ne soient pas déjà en route pour venir nous secourir. Ces bracelets sont installés et retirés dans le centre de stockage. Si vous voulez vous faire discret, ça vaut le coup d'examiner cette piste. On me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. Oui, effectivement, ça peut être intéressant. Cependant... J'aurais une chaise... Merde. T'es sérieux, bonhomme, là? Tu viens te coincer comme un gros nas sous une... Tu allais me refaire deux fois le même coup? Bah là, tu veux plus, bizarrement. C'est passé quoi? La maison a grandi? Sous une chaise, je sais de quoi... Tu sais de quoi je parle. Ok. J'aurais juré que c'était là, sauf que c'est pas là. Hein. Mais... Même les ressources ont pas repop. Dommage. J'aurais bien aimé ça par contre. Là-haut, qu'est-ce qu'on a là-haut? Tout ce que j'avais déjà vu. Ok. Et j'ai pas la carte d'accès. Ok. Bon bah tant pis. Why not, why not, why not. Mimique supérieure, ok. Et donc je suis censé aller où? Parce que j'ai objectif multiple, mais j'ai pas d'objectif principal, c'est ça que tu es en train de me dire, jeu? Alors attendez, on va aller voir ça. Accès aux navettes. Pour accéder aux navettes, moi je suis là-haut. Et donc je n'ai absolument aucune route à part le TEG. Pour aller au TEG. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? J'ai l'impression qu'il y a une machine qui me suit, qui me cherche. Ok, bref, c'est pas grave. Map. Niveau 4. Niveau 5. Compartiment arme, je connais. TEG. Il est où le TEG à la base? TEG, 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 TEG. Il est là. Soit là-bas. Hop! Wow! Putain! Je les ai pas vus venir! Vas-y! Tu lui as fait énormément de dégâts, bravo! C'est la seule chose viable que je peux faire. Elles ne vous protégeront pas. Elles vous mangeront aussi. Et quand elles auront fini. Il est vraiment timbré celui-là par contre, hein, ça va pas le faire. Hein. Je deviendrai MU et j'aurai accès à la navette. Mais bien sûr. D'accord, ça marche toujours pas, pourquoi pas. Oui, c'est bon, tu peux t'en aller, merci. Kit de secours. Ça, j'en veux un. Ok, donc nous on va se laisser la chaîne pour cette vidéo, en tout cas, on va en chier, hein, je pense, pour la suite. Je sauvegarde ici et je vous laisse pour la suite de cette aventure sur Prey. Salut les gens! Hop. Et hop.